Dans la vie, il faut persévérer. Quand les gens persévèrent à m'identifier dans leurs choses, à m'indexer, moi aussi je persévère dans ma bêtise. Et je rends coup par coup. Connectez-vous mes wallows, partagez le direct. Les noms solvables de Facebook. Wow, wow. Bonjour les Warriors. Bonjour, bonjour. Vous avez bien dormi? J'ai décidé de mettre mes photos d'avant et maintenant. Ce n'est pas grave. Moi, je me filme plutôt. Oui. Je veux dire quelque chose. Arrive bien Yimimban. La courte chaude. Elle est courte comme moi, comme ça. Moi-même, je suis encore plus grande taille que elle. Une naine qui parle à une grande femme comme moi. Je me réveille avec les problèmes. C'est comme ça. Bien, Ibele, tu vas y fuir. Tu ne m'aimes pas ici. Tu vas laisser quand vous me fuyez souvent comme ça. Mon petit frère que moi j'aimais, il venait souvent rester ici avec moi. Quand vous me fuyez. Vous croyez quoi? Lève-moi bien, regarde ma joie de vivre. Et dans le chewing, tu comprends? Hey! Hey! On m'appelle sans souci. Sans souci que j'ai retrouvé la lumière de Dieu depuis que je suis plus avec vous. Fais le temps de travail, ouais, mais il faut quand même qu'on se voit quand même. Tu travailles dimanche, comme ça tu dis on parle à la soirée de Banyeke là. J'ai déjà cousu mon caba et quand oui, tu dis on parle à la soirée, on continue, nous on va payer notre bouteille. Même si on est assis au Shabbat, ce n'est pas grave. Même si je suis assis au Shabbat, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, d'accord, viens alors me voir. Tu vas manger quoi? Je vais recevoir un peu de visite. La même journée, je vais recevoir la visite. J'en ai marre de babader sur ici. Oh, je suis contente. Oh là là. Là, comment j'ai bouffé les chaleurs. L'embol. Il n'y a pas l'embol, hein. Il n'y a pas l'embol. Ça fait longtemps l'embol. Les gens mangent. Les gens ne mangent pas l'embol en hiver. Ils aiment manger l'embol en été. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, l'embol, c'est bon en hiver. Je n'ai pas l'embol. Sans te mentir. Je vais fouiller dans mes choses là. Mais, je ne pense pas. Je vais fouiller, mais je ne pense pas. Donc, hier, j'étais à Château. Je serai à Château aujourd'hui. Je vais acheter aujourd'hui, je vais aller prendre mon cabot aujourd'hui. S'il n'y a pas de bois, tu peux manger autre chose, je peux te faire autre chose. Il y a le gombo. Je te fais un bon poisson frit, un bon bar, avec le gombo, avec la viande. Ok, comme tu veux. Et tu vas mettre les bonnes choses. Je vais d'abord mettre ce morceau pour mes détracteurs. God save the queen. Pour vous prévenir que ça va être le jour. Les cordes vont sortir. C'est des moments à deux, c'est une mission possible. Les enfants, ils étaient hyper autonomes. Yéna Boum, Aboumouda me dit, Kena Boum, il dit, ma bébé Fibron, Serge Bolo, tu me dis, Yéna Boum, Aboumouda me dit, c'est mon Aboum, non? J'ai des Fibron. Une femme de mon âge doit avoir des Fibron. Quand votre soeur part te couper, soyez là, tu dis que Yéna Boum,
C'est tout ce que tu peux dire à ta sœur. Mon ventre a fait quoi? C'est un vrai ventre. Je mange bien, je nourris mes filles bonnes. Dans quelques temps, je vais les enlever. Mon ventre devient plein. Ça te va? Oui, il y a une dame. Il y en a une. Il y a une gongole. Les enfants, ils étaient hyper autonomes. Ça te fait être complètement réel comme moment. C'était complètement réel. Un jour, j'ai nagé avec une raie. Tellement problème. Allah. Moi, je suis à Cameroun, mais je suis moins cher. Voilà, je vous donne ce morceau. Attends. Aujourd'hui, on va faire les coups de girofle pour boire, pour nettoyer le sang. Hein? Ma batterie est faite, je vais charger ma batterie. Bon, mais voilà. Quand vous entendez souvent que les gens cherchent des problèmes, allez me réveiller. La ratée de la nature, là, qu'on appelle Sylvie Ténière. Maman, Sylvie Ténière, tu me vois là. Ça fait peut-être. C'était à 99 ici, hein. Avant le Covid, hein. Je vous mettais même les belles photos de moi, même après le Covid, même plus qu'aujourd'hui. Mais pour l'instant, comme je fais toutes les vidéos, il y a plus. On ne filme pas bien. Tu attends, non. Sylvie Ténière, tu n'as pas mettre une vidéo de moi sur la cuisine, je suis dans mes états là, c'est la cuisine comme ça là. Tu mets ton ancienne photo quand tu fus, quand tu marchais encore, quand tu ne pissais pas, et tu ne chiais pas les entrées veneuses là. Tu ne portais pas les potes, tu me peux moi. Sylvie Ténière, tu sais, je peux revenir comme ça. Je peux revenir comme ça, du jour au lendemain. Tout ce qui est là, c'est seulement comme on m'opère. Dès qu'on m'opère, c'est lui tenir, tu vas voir. Ce qu'on appelle une belle femme. Tu m'entends? Tu es moi dans un problème? Tu veux te focaliser? Maman, regarde-moi une femme qui ouvre la fenêtre. Tu sais pourquoi tu es malade? Tu es malade pourquoi? Tu es malade uniquement parce qu'il y a un souci avec toi. Quand tu lèves le matin, ce sont les excréments de bouse de vache qui te reçoivent au visage. À te faire un cancer, c'est la saleté, la puanteur. Et celle-là. Bon, j'ai déjà fini de faire mes cheveux. Bon, ça. Vous savez, moi, je fais mes choses, après je mange aussi. D'abord, enfin, je vais nous préparer. C'est vrai que je ne dois pas dire le nom, non. Les clos-clos, les girofas. Quand je dis non, ce n'est pas bon, on peut prendre ma vidéo. On va faire les clos-clos de girofas. Les clos-clos. Il faut changer les noms parce que maintenant la Facebook est devenue trop bizarre. Voilà, il faut bouillir ça comme ça là. Ça fait comme du thé. Et ça purifie le sang. Si tu buvais ça de plus que ton. Si tu n'as pas de cancer qui te ronge là. Attends. Moi, c'est un temps-ci. Je commence déjà à t'oublier. Hein. Mais comme tu veux persister à rester avec moi. Et c'est de rêve bien, quand je suis dans le rêve bien, c'était une patiente, c'était ta soeur. J'ai acheté les cordes. Hein. Aujourd'hui, tu as des choses. Aujourd'hui, connectez-vous, connectez-vous, tout à l'heure, je vais vous dire là, vous allez vous connecter, mais voilà, on va faire du sale. Je suis dehors. C'est lui tenir, tu sais manger, tu sais tenir une coupe de champagne, tu en es où? Regarde mes photos. Je vais mettre ma pub à des photos chaque jour pour voir. Même si je ne suis plus rien aujourd'hui, au moins je fuis quelqu'un. Classe, jolie. Massa, bonne joyeuse. Celles qui ne sont jamais rien, maman. Je vais changer dans mon téléphone. Mais c'est marrant, hein. Parfois tu essaies déjà d'oublier pour cette jardin. Je dis Sylvie Ténière, tu es une belle femme, tu es une vieille, tu es une maman, tu es une grand-mère, tu es Nevers, tu fais partie de la bande des centenaires, la bande des Nevers, la bande, on nous a promis combat, les personnages âgés. Regarde-toi, regarde-moi. Regarde. Moi, je saute, hein. Tu peux sauter. Est-ce que tu peux sauter, Sylvie Ténière? Tu peux sauter. Hein? Quand je suis ami avec vous, à l'hiver des problèmes, je ne suis plus ami avec l'homme Fondia. C'est moi qui ai décidé là, cette amitié là. Ce n'est pas elle qui décide, c'est que c'est moi qui ai décidé.
que ça vous plaise ou pas, je vous dis que c'est moi qui ai mis fin à cette association de malfaisants. Et les codes sont là. Vous l'avez amené, non? Je ne sais pas si c'est quel nom pour attacher. Vous avez dit qu'on va faire ça dur. Regardez-moi les gens comme ça. Je dors, je me réveille, moi, je me réveille que, ah, je vais aller montrer aux gens comment faire nos clous de girofle. Hein? Là, parce que vous savez que vous pas. Les gens n'aiment pas quand. Tu veux me parler, moi? Tu es sportif? Ne vous méfiez pas, c'est pas parce que chaque fois que je sors, les gens m'agressent à tort à travers. Tu connais si je vois une femme qui vient devant moi m'arrêter la bagarre, je ne vais pas bagarrer. Je bagarre propre. J'ai tenu avec Ngossa. J'étais encore sous. Je viens de perdre mon bien donné. Hein? Ça a été favorisé par qui filmait. Même bon reportage. La tête, je me bats. La tête, je ne me bats pas. Hein? La lécheuse des pieds. Des ratelats de barbecue qu'on appelle le long fougère, sa soeur est même bien, les moins que rien. Tu ne les as pas oublié. Vous savez, c'est un peu marrant. Hein? Quand ma petite fille, elle m'a fait dire quoi? Que je suis que elle a mon goût sur ses peignées avec moi. Elle a mon goût avec elle, moi, deux mois. Et quand ta fille a pleuré chez Antoine Bachon, qu'on a lavé les fesses de ta petite fille ici-là, et alors? Il y a que le karma existe. Quand vous croyez que vous allez me faire pour vous arriver, non? Hein? C'est là. C'est là. Une maman comme toi, tu es insulté les fêtes d'une petite, un petit bébé. J'aime pas. Par rapport à quoi? La jalousie pure et dure. Pourquoi il n'a même pas regardé, j'allais pas à l'école. Sinon, elle va te dire, pétache. Sa maman ne veut plus qu'elle est insultée devant moi. Parce que ce que je fais, ce que je lui apprends là-bas, elle va répéter ça à l'école. C'est pour ça que j'ai dit que non. Mais oui. Maintenant, je quand il fait maintenant le direct, si c'est ma petite fille. Non, je vais mettre ça. Ouais. Tu l'as pressé. Moi, je fais ma part. Quand tout le monde ne m'attend pas, c'est là que moi j'arrive. Madame. C'est là où les gens comme ça. Maman, Sylvie, t'es bien. Qu'est-ce que tu fais? Sylvie, t'es bien. Je fus. C'est ma petite, mon petit, quand je fus une très belle femme. Une très jolie femme. Et je suis toujours jolie. C'est parce que. Je suis obligée de manger parce que je dois nourrir mes enfants. Hein? Vous savez pourquoi les femmes en Afrique ont des problèmes que elles sont toujours anémiées? Parce que les fibres se sentent parce qu'elles ne mangent pas assez à leurs femmes. Donc, ce qui fait que les fibres, quand elles sont installées, est-ce qu'il y a la bouche? Donc, il y a même d'autres qui ont la bouche et les dents. Comme vous voyez là. Quand ça dure trop longtemps, ça, hein? Tu as appelé ma foufou, maman? On va écouter ce que tu dis ici. Dégage. Tu as pris qu'il m'a foufou, regarde-moi le cul de ta sale chienne de main. Moi, dégage, pac. Voilà, on te bloque. On n'a plus besoin de toi ici. Les gens sont obligés. Mais pourquoi ça? Il y a un problème que je ne comprends pas. Ici, à Facebook, il y a un autre, c'est que. Lola, c'était une amie, mais elle m'a trahi. Hein? Lola m'a trahi, Lola m'a jamais mis à un jour. Non. C'est toujours moi qui le mets à haut, c'est moi qui la nourris. Mais l'amitié est finie. Le gars a dit que c'est elle qui a chassé l'amitié, non? Mais pourquoi vous êtes encore attaqué? Le petit bâtard qu'on appelle Toupichou, c'est quoi là? Il dit que quoi? J'ai dit que, hein, I am the prêtre. J'ai dit que, fais encore une direct, sinon tu parles seulement de moi. Toupichou, je vais te montrer que, hein, j'ai une puissance au Cameroun. Je vais te montrer qui je suis. Continue, tu dois vous moquer de moi. Je te dois. Oh, quand on a attaqué ma patronne, je vais arriver. Ta patronne, c'est qui? Ngolenglafis? Il y a les Ngolenglafis, même qui sont un peu riches, qui sont un peu riches. Moi, je peux dire que oui, attaque-moi. Tu vas avoir quelque chose. Le noir, quoi? Le n'a rien. C'est une mangiante. Ngosa commande les oranges, hein? Mais le noir commande les. Voilà, le noir commande les pommes de terre, parce que pour manger. Elles vont manger les pauvres de terre pour assouvir les pâtes. Mais vous savez comment les oranges? Les oranges, c'est le dessert. Vous voyez, elles les commandent pour les poissons brisés. Hein? On est d'accord là? Donc, bon, on joue à quoi? On joue à quoi? Moi, les commandes, moi, maman. Il y a tout chez moi, hein? Quand c'est fait du mois, on dit que je n'ai même pas 5 francs. Mais bon, quand ils savent, ils peuvent avoir mon petit Dagobert. Avant même quelque chose, moi j'ai. Vous venez m'insulter pourquoi? Pourquoi vous voulez. Pardon, je ne comprends pas. C'est toujours moi que vous me mettez. Vous ne pouvez pas me casser. J'ai dit que non, c'est comme la pierre.
Tu vois, après tu attends. Tu vas faire quoi? Je ne suis pas là pour la bagarre. Je dis que, hein, si vous voulez voir mes anciennes photos, je veux sortir toutes mes anciennes photos à vos joyeuses. Vous allez voir qui je fus, qui j'étais et qui je suis maintenant. Et qui je serai dans le futur. Vous allez le passé recomposé, vous tous là. Vous allez le composer, le passé recomposé, à côté qu'on vous le compose. C'est ce que vous êtes, vous. Vous me parlez, moi, les déchets de la nature me parlent. C'est bien beau le faire déjà ensemble. Oui. Parce que je dis, c'est lui, Ténier. Mais mon Dieu, ton passé. Oh, tu es venu ici, tu as pris un mari chigolo. Tu connais qui est ton mari? Je veux te parler de ce monsieur. Tu connais ton mari? Je n'ai pas envie. Je te dis, que lâche. Parce que moi, je peux dire quelque chose là que tu peux. Tu vas devenir folle. J'ai dit folle. Ton mari? Tu sais qui c'est? Alexis raconte comment son père fait un scandale. Insulte tout le monde avant de proposer une copine de Yana. Mais le truc de tout là, c'est de désabonnez-vous de ma page. Je n'ai pas besoin de vous que vous vous désabonnez ou pas. Vous me savez d'abord quoi? Comme elle dit désabonnez-vous de ma page, comme si. Moi, je sais bloqué, donc tu ne peux plus me voir. Tu m'apportes quoi? Les gens qui disent que désabonnez de la page, si. Vous me donnez des étoiles. J'ai quand même dit ça, c'est quand les toilettes. Je ne veux pas vous merci. Maman, quelqu'un vient écrire que je me désabonne dans ta page. Maman. Hein? Tu te désabonnes dans ma page que toi et moi étions amis. Mais désabonnez-vous. Vous allez regretter après. Hein? Les choses faites, comme vous voyez ici, hein? Regardez seulement avec les yeux. Observez, c'est tout. Mais moi, j'ai décidé que hein, la famille des rateurs. Bamne qui vivent au sud du Cameroun là, je ne suis plus avec eux. C'est moi qui nourrissais votre patronne. Mais elle a dit comme quoi, je la nourrissais parce que je payais l'amitié. L'amitié de quoi? J'ai l'amitié de. Vous me voyez, je suis tellement égoïste. Et maman, là, ma celle-là, Révin Biaï, Mimbang, tu dis que quoi? Tu ne me peux pas, Révin Biaï. J'ai tout eu avant toi. Je serai tout ta patronne. J'ai nourri ta soeur. Toi, tu es en Allemagne, là où les hommes aiment les gros seins. Pourquoi ta soeur souffre ici? Ta soeur dit, là où il y a des champagnes. Mon fou. Tu sais, moi qui étais à Arès. Là, il a tout ma part. Je sais chercher ma part du vieux. Vous avez vu, avec ma part du Dieu là-bas. Vous avez fait tous les problèmes pour parler mon part du Dieu. Mais pas du Dieu avec moi. Et je suivais chaque soir quand il dort. C'est mon père, c'est un vieux, ça ne fait rien dire. Ça a quelqu'un que moi j'aime. Il a la langue qui est très bien. Allez, bouteau, si on va voir. Si on parle bagarre à Carcassonne. Et langue. Oh, ok, je devais qu'on parle Didier. Quand pas Didier me voit, en plus les Africains sont bagarrés pour lui là-bas. Mais qui gagne un peu joyeusement ça, la honte pouvait me tuer. Maman. Tout ça pour que. Comme j'entends, parce que moi je m'habille dans les pots café, parce que moi je quand j'ai la voiture, je suis très gentil, puis je suis tout le temps bien habillé. Donc, c'est quand j'ai, moi je vais dans les beaux quartiers, j'arrive comme ça, puis bonjour, parce que c'est rare, avec l'élégance qui va avec les bonnes manières et tout. Pourrais-je avoir un chardonnay, s'il vous plaît? Je ne veux pas boire le champagne, parce que là-bas il n'y a pas les bons champagnes, là-bas c'est les demi-champagnes, là, j'aimerais boire le chardonnay, parce que moi je bois du blanc. Ils adorent quand j'ai du blanc, un verre blanc. Oui. Et puis je m'assois, je prends mon petit verre, je sors ma petite fille. Ben oui. Combien de noix a dans ce genre d'endroit? Parfois je sors dans les trucs privés, on m'ouvre la porte. Bonjour madame, je peux boire un petit verre. Oh bien sûr, attendez. Ça fait aussi que, on dit que maintenant. Pourquoi c'est quoi? Les gens vivent à Carcassonne depuis des années, ils passent dans les. Tu les vois dans les bus. Les noix sont toujours tristes. Les noirs sont toujours tristes à Carcassonne. Aucun noir n'ose entrer dans les tous les plans. Je suis parti à Carcassonne parce que mes enfants ont choisi cette ville. Elles sont heureuses là-bas. Et puis la température pour la petite est très bien. Oui, parce que Narongo n'est pas facile. Comme vous voyez là, elle est tout le temps. Donc voilà. Ah! Pourquoi ça a changé un peu? C'est bien.
les plus de gyros faciles, c'est quand vous buvez ça, ça nettoie le, la nettoie le sang impur. Côté sang, la génisse. Après, les plus de gyros faciles ont les bons vertus pour le corps. Surtout nous, les personnages âgés. Nous, les personnages âgés de plus de 40 ans, là, on doit être efficace pour être la bouche joyeuse. Dang, 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 dang. T'es la bouche joyeuse. Dang, 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 dang. Attends. Quelqu'un va prendre une assiette. Attends. Même la photo que tu as mis dans la page, là, tu as mis une photo. Tu mets une photo pour voir ta taille. Tu mets tout le... L'autre jour, quand tu étais assise chez les commandes, tu ressemblais à quoi ça? Hein? Tu ressemblais, tu, est-ce que tu ressemblais à quoi ça? Mais chérie, moi, je peux changer mon visage quand je veux. Et c'est très facile, tu te mets les cils, tes lentilles. Moi, j'ai les lentilles ici. Si je mets les lentilles, les cils. Ah oui, un petit balayage, le visage là. Allez. Ça, il a changé. Tu vas mettre une ancienne photo quand tu fus. Tu es dans les bouseux là-bas. Tu es venu à Paris, tu connais Paris. Je suis parisienne. Même si vous ne montrez pas là où je parle, il fait des choses. Là, le noir. Et moi, je suis une femme sportive. Moi, j'aime marcher, j'aime sortir. Moi, je ne reste pas toute la journée. Tu, vous restez toute la journée pour regarder la femme joyeuse et me critiquer. Mais vous me critiquez, moi, je réalise. Là, tu veux te soigner. Va acheter des coups de girofa. Tu as compris, non? Tu bouillis. Ça devient bien marron. Et après, tu bois. Ça va laver. Et tu bois des trucs de melon là. Tu entends? Oui. Hein? Non, depuis le moment là, on ne pas dire que je suis pas allé chercher mon truc là. Oh, tu vois. Ouais, Laurent Emmanuel de Grémois m'attend là-bas au ciel. Par contre, on aimait danser. Hein. Il faisait danser, il danse comme ça. Il fallait nous voir qu'on danse. Oui. Donc, ce qui m'est arrivé n'est pas anodin, ça peut vous arriver un jour. Donc, les gens qui sont là, ils disent que, oh, attends, oh, là, c'est un truc, vous allez voir. Je veux boire ça devant vous. Il faut boire là, quelque chose, hein, parce que je ne dois pas dire le nom. Vous buvez un bon verre d'eau comme ça. Vous allez voir comment votre. Vous, le sang va commencer. Vous même ça, même deux fois par semaine, trois semaines, trois fois par semaine. Vous allez voir comment. Vous allez rajeunir. Même les cellules qui sont déjà un peu mortes là. Quand les cellules mortes, pourquoi? Parce que c'est nous. Par contre, on ne fait rien pour les régénérer. Donc, si on boit notre truc traditionnel comme ça, hein, sauf que je ne dois pas trop parler. Donc, comme j'ai eu les jeux, on boit. Vous allez voir. La jeunesse va renaître parce qu'apparemment les coups de girofle là sont quelque chose de très important. Hein. Il y a les bonnes vertus. Hein. Et puis je vous apprends aussi certains secrets. Bon, de toute façon, c'est une dame qui m'a dit que je pour le, tous les puits, je vais le faire, je vais le faire. Oh, mais si tu. Quoi? Le ventre a fait quoi? Excitez-moi, c'est mon ventre, au moins. Je noue mes fibres. Quand le ventre va partir, va encore me dire quoi? Parce que quand le ventre va partir, je n'aurai plus envie de manger. Je vais maigrir. Vous avez dit non, que j'ai le sida. Donc préparez-vous à ce que. On va me dire que j'ai le sida. Parce qu'après, je vais maigrir. Je ne pourrai plus manger comme d'habitude. Tu vois un peu? Parce qu'il y a quelque chose qui me fait manger. C'est tout. Il y a quoi? Il y a beaucoup de femmes africaines. Vous les voyez avec les gros ventres là. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a les fibres. Et moi, je veux l'ablation de mon utérus. Et pour faire l'ablation de l'utérus, c'est trop compliqué. Je veux faire ça où? À Neuilly. Peut-être des milliardaires à Neuilly. S'il vous plaît. Hein? On soigne ton cancer là où? Dans la bouche là-bas. Voilà, je pense que c'est déjà bon. On va mettre ça en bas. Que ça puisse. On va boire. Non, mais les gens me parlent.
La photo, si j'avais pris ça où j'étais en Belgique, je ne te regrettais pas, mais là, il vous dit après, c'était une bonne amie. C'était aussi une bonne amie. Oui. Ah, Pamela Ibuja. C'était chez elle ici. C'est vrai, elle qui m'avait filmé. Essio, 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 Essio. Quand elle voit qu'une façon de. Mais je ne veux plus moi qu'on me brutalise au lit. Moi aussi, je suis une. Comment d'abord, j'ai été quelqu'un de. Un peu sado, donc voilà. Fais attention. Hein. Je vais mettre un peu la musique. Mori Kante. J'avais mis ça. Ah non, dans le défaut, j'avais mis ça, ce n'était pas bon. Non. It's you. Je cherche la musique. Sérum associé à une nouvelle crème SPS 50 hautement concentrée en niacinamide active peeling. Évaluée dermatologiquement pour un taux de 65%. Nouveau lift active protocole anti-tache de laboratoire Vichy. Vendu en France. C'est la Spoutine. C'est la Spoutine. Le type qui avait dit que qui soignait les arts, qui était avec les arts, il me dit que non, on ne m'a pas vu tuer. Je vous dis alors que le morceau-ci, quand on lui mettait ça au cœur, ça va. Il a dit que hein, tu volais, c'est pas comme ça la musique. La musique, oh là là, franchement. Combien de vous sont partis au cœur, ça va? Ah, mon Dieu. Bon, si tu es bien, vous me très bien, je vais te dire qui est ton mari. D'accord? Parce que depuis des années, je te dis que laisse-moi, laisse-moi. Parce que ma petite fille m'avait dit, bon, je vais dire, laisse-moi, laisse-moi. Et comme c'est un grand dossier, le tout, tu vas me porter plainte avec ton mari. Tu entends, non? Je vais te dire ce qui se passe réellement dans ta vie. Pourquoi tu es tombé malade? Tu connais une Gabonaise, non? Tu connais Virginie? Donc, tu veux savoir qui est ton gigolo de mari? Je vais te le dire. Tu entends, non? Les gens me font se marier ici dehors. Mais tu as la dépression.
Parce que les choses qui t'ont tombé dans la gueule que tu ne maîtrisais pas. On t'a éloigné avec le maire de là-bas au fond, là-bas du village, soit disant que wow, wow, wow. Tu as quelle vie? Tête sans dignité. Tête de dignité, on y a comme ça. Alors, moi, je vous dois quoi? Je suis ici là où c'est la salarité, ça sent ici, ça pue ici, c'est mauvais ici. Mais au moins, moi, je ne vous dérange pas. Hein? Je t'ai demandé de me rallier avec moi. Hein? Non. Si tu tenais sur une femme, elle se rallie avec tout le monde, c'est-à-dire que elle se rallie. Mmh. Elle se rallie avec tout le monde là où elle trouve là où les gens qu'on déteste. Tu détestes toi pourquoi Sylvie Tenier hein? C'est marrant, hein? Tu détestes Ngossa pourquoi? Mais tu es parti chez Ngossa, non? Ngossa a dit que hein? tu voulais toujours faire le courant. Parce que Sylvie Tenier, c'est une femme quand tu as mis avec elle. C'est-à-dire qu'elle t'appelle à 6h, 7h. Oui, bonjour, ça va? Parce, alors, aujourd'hui, je vais t'appeler. Elle me propose, hein? Alors je suis encore couché, c'est une personne qui a besoin d'attention. Alors je suis encore couché, faut que tu te demandes rien. Je suis encore couché, j'ai des tuyaux partout. J'ai demandé à mon fils d'envoyer quelque chose. N'est-ce pas, quand tu as dit qu'on t'envoie quelque chose, tout le monde est content. Et, c'est comme ça qu'elle a commencé à envoyer l'argent en gros. Envoyer. Les 200, les 300, les 400, les 1000, les 2000, les 3000. C'est là que, c'est vrai, hein? C'est là que sa famille a dit que, mais, maman, tu envoies l'argent à qui? On a bloqué ce compte. Son mari a vu. On l'a chassé là-bas. Tu as insulté Ngossa. Tu es resté chez Ngossa. Comment tu es resté chez moi là? Non. Maman, je suis ici. À un moment là, je faisais ma colère à la nourriture. Il y a les femmes qui ont commandé la nourriture cependant. Il y avait les chilés qui dérangeaient à ce moment-là. Il y avait toutes les filles qui disent que non, elles n'arrivent pas. J'ai commencé à pleurer ici en direct que ouais. Voilà, le truc que j'ai parlé toute la journée, j'étais avec mes filles. Et il y avait un moment où les gens me harcelaient. Ma fille, heureusement que ma fille était là, elle me dit, laissez ma maman tranquille. Maman ne vous a rien fait. Oui. Laissez la vie de maman. Elle sort ça. Oh, ma chaîne, tout a fait ceci. Que c'est. Je m'en fous, c'est vite, tu ne connais pas ma vie. Ouais, il y a moi que ma. Toi, non. Tu es une femme fille, c'est que Dieu a puni. Tu es assise sur place, dans ta maison. Tu t'ennuies, tu te déplaces avec la chaise électrique là, donc tu t'ennuies, tu as beau aux gens comme moi. Ne m'en veux pas. Moi je bois le coup là, bois du maca, le coup de girofle, chauffe ça, après tu bois. Ça va nettoyer un peu les chromosomes qui sont dans ton sang là, les mauvais chromosomes à la com. Tu entends? Tu auras encore le bac là, tu as un problème de globules blancs. Il faut que tu recouvres encore les globules rouges. Parce que dans un être humain, les globules rouges doivent dominer les globules blancs. Mais toi, tu as les globules blancs qui dominent les globules rouges. C'est pour ça que tu es malade. Tu m'entends? Tu as vu la femme qui te regarde là? Dans ma photo là, c'est moi. Tu ne peux rien me faire. J'ai encore tous ces robes. La plupart de ces robes sont au Cameroun. Toi et moi, on ne discute rien. Je suis pauvre. Je suis sage sur ceci. Mais, ma chérie, il y a même tous les artistes là, il y a un moment qu'elle se démarque. Elle se démarque un peu, non? Tu as déjà vu, j'ai dit, fais sans maquillage. Tu crois qu'elle va se descendre à quoi? Il faut quand même laisser un peu la peau respirer. Avec les poudres, les maquillages sophistiqués qu'on met chaque jour là. Maman, ça se passe, ce n'est pas aussi entier pour les cancers, pour les maladies. Vous ne voyez pas ça? Vous voyez, c'est ma gros alcoolique droguée. Je suis une alcoolique droguée, mais je me sens très bien. Moi, déjà, pour parler de ma colère, je vous aime. Voilà. Tu vois, c'est déjà devenu marron. Attends, je veux bien te montrer les couleurs. Vous êtes là, pour. Je veux malheureux. Je suis malheureux, c'est pas grave. Tu as vu? Voilà le couleur que j'ai à faire. Maintenant, je vais attendre maintenant que ça refroidit un peu, ça devient tiède. Et je vais boire ça devant toi. Devant toi. Vous êtes là, ma chaîne, tu as fait ceci. Les boîtes de pompe, les trucs nucléaires dans ta peau. Alors que je suis comme toi, tu peux boire toi-même. Tu vas voir comment les articulations vont déjà commencer à aller mieux. C'est vraiment sexy. Je dis que toi, avec ta racaille, une fille écran comme toi. Tu avais de qui? Rêve bien, c'est une tribaliste au père. Tribaliste? Hein?
L'offre d'appareil banni power ici à Facebook. Non, c'est là que tu pars. Mais parce que tu n'as pas l'amour de tes soeurs, l'amour, pour pas l'amour de tes enfants, moi j'ai l'amour de mes enfants. Oui. J'ai l'amour de mon énamoré. J'ai mon cavité. J'ai ma télé. J'ai mon sapin. J'ai tout. J'ai l'amour de mes amis qui m'aiment. J'ai l'amour de les gens en Afrique qui m'aiment. Tu entends, non? Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Va te cacher tout. La photo que tu as mis là, une ancienne photo qu'elle te montre avec des mots mouf. Tu n'es rien, tu as raté ta vie. Hein? Je connais bien ton mari. Hein? Tu sais, je l'ai commis depuis des années que je ne peux pas venir dans ce. Tu ne peux pas entrer dans ton mari et moi. Tu ne peux pas entrer, tu sais pourquoi tu me détestes. Non, d'accord, là, non? Oui. Parce qu'elle me déteste depuis. Parce que tu sais ce qu'il y a eu entre ton mari et moi. On est d'accord, là, il y a des amis. Donc, ferme ta gueule. J'aurais pu le prendre comme ça, récupérer. J'ai dit non. À Facebook ici, quand quelque chose arrive, vous ne savez pas pourquoi que vous détestez. Parce qu'il y a une histoire derrière. Alors, je t'invite ce soir. Tu veux que je raconte l'histoire, tu vas crever sur place et ton mari va me porter plainte. Hein? Attention à toi. J'étais belle femme, hein? Attention. Hein? Elle cherchait quoi sur Facebook? Hein? Ça le met à cœur, ma soeur, c'est comment tu vas y aller, même plus les étoiles. Ou même si les petits bouts, je ne comprends plus. Mais ça, vous êtes toujours là. Un jour, j'allais bien me regarder. Après, elle fuit. Heureusement que moi, je suis moi. N'importe quoi. Les gens, si je les promets aussi aux gens, ne comprennent pas pourquoi. Hein? Pour rien. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Voilà. Attends. De tout ce que j'ai dit, ça, parce que là, ça tout dans moi, de tout ce que j'ai, ça, je vais chercher un autre. Mais quand tu m'as fait que tu vois autant ça. Attends, il y a le. Tu es là, non, quoi. Tu ne te vois pas, ma soeur. Tu ne m'encourages pas. Avant de monter les étoiles, il n'y a plus les étoiles, c'est vide. Mon nid est dur. C'est vite, rien. Peut-être que. Hein. Tu sais pas qui je suis, hein. Quand tu me pousses à bout là, je vais te dire qui est ton mari. Avec ce que j'ai fait avec lui. Parce que je vous dis souvent que quand les problèmes n'arrivent, je vais en faire pour rien. On va terminer ça avec ça. Les gens sont là, leur vie les dépasse. Vous voulez vous asseoir à Facebook? Vous voulez vous joyeux ce matin? Vous voulez vous joyeux ce soir? Tu sais pourquoi non? Je vais tout dire. Je vais tout révéler, ma chère. Parce que, avec moi, ce n'est pas. Moi, j'ai des secrets que je garde, mais quand je vois que tu veux dire quoi? Depuis là, tu n'as pas encore effacé le problème là. Hein? Depuis là, tu n'as pas encore effacé le problème là. Malheureuse femme. Tu es malheureuse. Elle fait comme si régnait une attente familiale là-bas. Et de tout ce qui m'a porté plainte. Ta co-épouse. Mm.
Mon mari, tu es déjà devenu là-bas handicapé. Maman, c'est pas l'histoire là. Bon, tu es déjà handicapé pro max. Tu ne fais plus rien. Il cherche une jeune fille depuis des années. Elle est malade depuis des années. Vous dites que la femme a médité depuis des années, vous ne comprenez pas. Hein? Depuis des années que tu es malade, handicapé mental. Hein? Tu as entendu que tu vas entrer chez la PKC, il faut payer. Tu as fini toutes les économies de la maison. Et quand tu as demandé encore, tu n'arrivais plus à mettre l'argent. Hein? Tu as m'insulté, je t'ai fait quoi? Ton mari m'avait dragué. Mais il te dit qu'il ne pesait même pas. Mais j'ai quand même dansé le zouk avec lui. Je vais te finir ce qui t'est rien. Fais comme je fais là. Vous êtes là, vous êtes joyeux, je vous donne quoi? Je vous donne les astuces que mes soeurs, soyons-nous. Nous sommes déjà vieilles. Nous sommes en fait déjà personnages âgés. Bientôt, si on ne se fait pas comme ça, à 50 ans, on serait quoi? Hein? Il n'y a comme moi. Je vous dis tout pourquoi. C'est toi qui m'a dit que dis tout. Si vous parlez, je parlerai. Depuis des années, je me suis tue. Vous croyez que c'est aujourd'hui que je veux parler? Parce que j'ai pitié d'elle. On appelle que pitiation pour elle. Je vais tout dire. Une des enfants qui est au Gabon, que j'ai l'impression que depuis des années, je ne peux pas dire que les choses. Tu vas sortir de tout ici. Les banniers vont t'aider, hein, parce qu'avec moi, quand je commence avec elle, que je vais y finir. Je n'étais plus chez toi, j'étais maintenant chez Aïcha Mimbang. Aïcha Sol, tu reviens toujours. Tu mets une sale photo, tu me peux. Voilà. Maman, nous sommes les regardez comment l'eau est bien. Tu as vu? Oh, ça fait du thé, ça. Regardez très bien. Comment j'ai filtré ça? C'est bien filtré. Voilà. Et puis, on va attendre que ça soit un peu tiède. Et puis, on boit. Ça nettoie le sang. Amitié. Je voulais mettre ça. Attends, j'attends d'abord pour que ça soit. Ouh, c'est encore bien chaud. Hein? Donc, on va attendre. Hein? On va mettre ça à la fenêtre. Et puis, le reste, on va. Ça, c'est le reste là que j'ai voulu montrer. Là, depuis le jour. Vous avez vu? Voilà, ça, c'est le reste. Ils sont ceux du Cameroun, hein? C'est le Cameroun qui a encore vraiment les vêtus bio, là. Vous voyez, non? Pas ce soir, non? On a des personnages âgés, mais. Moi, je suis un personnage âgé. Hein? Donc, vous croyez que vous allez sauter là? Par moi, je peux sauter. Oui, mais en même temps, je saute, mais je suis un personnage âgé. C'est tout. Ils aiment d'aller pour toi. Ouais, quoi? Mais parfois, il faut laisser quand même, c'est un problème. Il faut laisser. Parce que je ne vous ai pas dit depuis pourquoi, des années, elle est tout derrière moi. Parce qu'elle me connaît très bien. J'ai placé les filles chez son mari. Je vais finir avec toi, sinon tu vas me dire. Tu vas tomber. Tu crois quoi ton. Je ne connais pas. Oui, ma. Habille bon temps. Hum? Oui, mais. Tu connais ton mari, la veille. Moi, je sais garder les choses, mais quand vous voulez déjà que ça sorte, I am the prince. Que son mari vienne devant moi. Il va être petit comme ça. Si lui t'es rien, ton mari sera petit comme ça devant moi. J'ai vécu dans ce monde. Je connais qui est qui. C'est pas parce que depuis des années, je ne te réponds pas. Mon mari. Avec mon taille à mon gabonaise. Avec une gabonaise. Hey, nous savions que tu existais. Nous savons que tu existais. La petite gabonaise a pris. Après, ça s'est passé. Il est revenu encore vers toi. Tu as tellement supplié jusqu'à.
Je veux te nettoyer. Quand il va m'asseoir sur toi, c'est lui, Seigneur. Je pense que parmi tout ce monde-là, c'est moi, celle que tu as connu. Maman, tu me pouvais avant. Le corps de sang, l'élégance de sang, classe, propre. Tu prends ma photo là où tu tagues ma photo là où je suis ma cuisine en train de préparer. Là où je suis habitué, tu dis, regarde ceci. Il y a des filles, Seigneur. Je te lance un défi. Si tu es une femme, viens devant moi. Si tu es une femme, tu ne peux même plus marcher. Tu peux être mignonne plus que moi. Maman, tu as quel âge? Tu as le même âge que moi. Hein? Condamné à mort. Tu te regarde-moi. C'est vrai, le job à mort au personnage âgé. Mais quand même, il y a certains personnages âgés qui méritent d'aller se reposer. Ne pas te reposer de Facebook. Tu sais à quoi faire. Tu connais, c'est lui qui est une personne qui connaît la vie de tout le monde, qui décortique la vie de tout le monde. Mais nous, on ne veut pas te connaître parce que ta vie nous intéresse. La vie des malades intéresse qui? La vie des malades, il n'y a que la vie des malades millionnaires qui nous intéresse parce qu'il y a l'argent derrière. Toi, tu vas mourir. Tu es sûr que les gens viendront à ton deuil? Tu es sûr? Mais je suis sûr que si moi je taille, oui, les gens vont m'accompagner ensemble. Les gens sont. Si je dis que c'est ici que je m'enterre, là, on me brûle là. Mais il y aura la famille qui va me dire ça. Ma famille va un peu. J'aurai ma famille, toi tu auras qui? Même tes soeurs. Tu sont écœurées ce que tu fais à Facebook. Personnage de malheur, oui. Moi j'ai mon temps, hein. Tout mon temps aujourd'hui, je fais le direct. Direct sur direct, c'est ce que c'est ça. Et que. Je vous ai dit que quand il y a un pognon qui arrive à ce que vous voyez comment quelqu'un est derrière une autre, hein, allez creuser le fond, allez trouver les événements là-bas. Qui savait ça? Que connaissait ton mari? Hein? Et quand tu me poussais à fond pour dire que qui mon mari? Un mari que tu n'as plus. Tu n'as plus avec ton mari depuis. Tu n'as plus avec lui. Dis la vérité aux gens. Hein? Mon mari. Maman, il y a des femmes ici que s'il n'y avait pas les blancs de leur vie, hein, là, les dailles. Oh, amazing. Il faut boire ça. On va nettoyer un peu mon rein. Donc, on va boire notre. Il faut faire la gloire glorieuse, mais vous ne dansez pas. Oui, c'est bon. Hein? C'est bon, mais c'est un peu. C'est fort quand même. Hein? Faut pas que Tom est venu ici. Hein? Vous voyez, quand je bois comme ça, là. Après, vous allez me voir surtout demain. Ça nettoie toutes les toxines. Ça désintoxique la peau. Le cœur et tout. Hein? On dit que le tout c'est fort. Hein? Les clous là, les girofas là. Hein? Et vous faites comment les waros? Vous bouillissez ça chez vous. Hein? Ça non. Vous buvez tous les jours. Voilà. On attend les répétitions. Après, vous allez voir comment. Ça va régénérer mes substances. On appelle ça comment là? Et tu là, pour la peau là. Tu vas pouvoir devenir encore jeune parce que je bois ça. Quand on parle de quelque chose, ce n'est pas qu'on a trafiqué. Ça, ce ne sont pas trafiqué. Moi, je perds ce qui arrive au pays. Je vais mettre d'abord ceci. Et puis, ça enlève tous les. Vous voyez? Tous les substances qui sont pas bons, voilà. Faut on jette ça. C'est de ça qu'il s'agit. Des minutes pour un arrêt. On vous apprend les choses, les bonnes choses. Vous avez dit, hé, la main, je vais faire comment elle est. Elle est toujours dangereuse. Nous, on a assez à mes petits. Mes petits, mes qui? Mes petits? Et ouais, non.
Mais là, à moi, ça me tient. Mm-hmm. Oh, yeah. À ça me tient. Donc, ma mère, c'est mon nom, tu me n'as pas. Et ouais, non. Moi, je parle à boule là. Non, c'est mon timon abé. Le toxine, c'est mon abé. Avec la cocaïne, avec le zabazabaza, avec la cigarette, avec tout ce qui est dans le sang qui n'est pas bon. À nettoyer. Maman, c'est la même chose. Je pense que ça a encore beaucoup de vertus. Hein. Je veux encore faire, je veux faire une autre bouteille. Parce que, apparemment, c'est. Il faut profiter jusqu'au bout. Tu vois? Voilà. Je vais faire encore une laisser. Je ne peux pas encore ça. Mm-hmm. Tu bois. Le matin, tu prends, tu mets dans ton bol, dans ton verre de fer et tout ça. Et puis voilà. Charge ça bien. Donc, oh. Ça, c'est ce que je veux marcher avec. Mm-hmm. Et maintenant, oh, je fais une gourde, je ne vais pas faire attention. Ça, je vais voir ça tout à l'heure avant de sortir. Bon, tiens, on veut être vieux. On veut être, comment on appelle ça? Jeune. Mais nous sommes la santé. Ça absorbe mon sang. Ça, le sang. Maman, elle veut moi être jeune. Je ne veux pas mourir vieille. J'aime de vivre encore longtemps. Maman. Tu dis non, tu prends ça une semaine, maintenant ça purifie le sang. C'est parce que c'est un effet thérapeutique dans le corps. Hé, hey, Moja, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. C'est ça qu'il faut apprendre. Nous les personnages âgés, pas les gens qui vont m'expliquer pour rien. Pour rien. Depuis des années, je me suis renseigné dans l'histoire. Je me suis rendu compte que... Ah! Donc, c'est avec ton mari que j'ai fait... Par contre, on ne teste pas quelqu'un pour rien. Hein. C'est vrai qu'il y a certains gens que quand tu les vois, ils t'énervent. Bon, tu passes. Mais oui, il y a ça. Mais dans la vie, tu ne peux pas provoquer le diable. Parce que moi, que tu veux respecter. C'est toi que. Et quand tu sais ce que c'est, le nombre de femmes qui me donnent de l'argent. Le nombre de warres qui sont là pour moi, que. Oh, quand je viens, même au Cameroun, je suis au Cameroun, m'envoie de l'argent, je ne cite pas leur nom. Tu as un gâteau, elle aimait quoi? Bon, voici, ici, couillant, je suis assis ici, la femme se demande, on est. Un veuve, on est. Envoie-moi les rimes. Moi aussi, couillant, je m'en vais envoyer les rimes. Après, il me dit que non, comme j'ai ton rime. Je vais t'envoyer l'argent, putain, mais t'as d'abord 4 PCS, 100 euros, tu manges. Depuis là. Et puis elle me menace, elle dit qu'elle a mon rime. Tu as mon rime, mets à Facebook. Et t'as commandé l'argent. C'est toi qui m'as dit que envoie-moi le rime, j'envoie, non. Vous avez votre petit truc de magnum là, que mon fait, je veux envoie-moi le rime, fais ceci, je ne suis pas dedans. Oui, quand vous me demandez quelque chose, je vous donne. C'est tout. Moi, le fils, ça comme ça, chaque jour, à n'importe quelle heure, tu peux boire ça, en forme de thé. Voilà. Et n'oublie pas, il faut boire ça.
Ça l'amène toute une journée. Moi, j'ai déjà ça. Moi, je me promène avec ça. Son petit thermos. Je ne sais pas si j'ai mis. Voilà, j'ai bien fermé. Donc, je bois ça. Ça me fait comme si c'était un... C'est comme du thé, quoi. Oui. Et puis, tu vois, un peu, ça enlève. C'était une sorte de toxine. Yeah. Ça, là. On va voir ça tout à l'heure. Oui, oui, oui. Vous savez qu'il ne faut pas parler trop comme ça dans ma compte, non. Vous aussi. Vous avez vu comment j'ai fait depuis hier. C'est une dame, une généreuse dame qui m'a dit hier. Hein, parce qu'il y a une femme qui a posé la question aussi hier, hein, que pour les sangs, pour purifier les sangs, pour pas purifier les sangs, pour enlever le sang. Voilà. Elle a donné la recette. Moi aussi, j'ai capté la recette. J'ai fait ça devant vous. Pour que c'est simple. Tu prends un coup de girofle, tu mets dans l'eau, tu bouillis, et puis tu bois. Et puis ça enlève les toxines. Mais oui, vous savez, c'est ça. Hein? Il est quelle heure là? Parce que je dois sortir là. J'ai encore le temps. Rosane, on va animer Facebook aujourd'hui. Notre cocktail. Voilà ce qu'on voit maintenant là. Le problème, c'est que je ne sais pas que je bois trop ça. Si je bois trop ça, ce n'est pas bon conseil pour moi, quoi. Allez-y, faites ça. Maman, vois le thé qui arrive. Tu vas voir même quand tu mets le jansan. Parce que les gens, il y a la plupart des filles qui font le jansan, elles ne vous disent pas la vérité. Hein? Je pense que la plupart d'entre elles boivent ce genre de choses pour un peu pour purifier leur truc. Et puis quand même, quand la peau, quand l'intérieur est propre, l'extérieur, parce que c'est la paix et la beauté vient où? De l'intérieur. Quand l'intérieur est propre, vous voyez, pardon, ça sort de l'extérieur et puis, quand on met le jang sans ça donne, je vous dis. Oui, c'est pour ça que la plupart d'entre elles, elles prennent les gélules. Elles prennent les gélules pour leur teint. Et elles mettent de lait et ça donne. Nous, on va faire ça. Oui, ça nettoie tout, oui. Docteur! Monsieur docteur, pardon, je mets la musique. D'abord nettoyer un peu. Non, j'ai tout ici à 10h, j'ai des trucs à faire. Après, on voulait préparer la nourriture. Oh, Alita, star. C'est ma copine. Alita, ma star. Ah, non, Alinda, la star. Voilà. Donc abonnez-vous. Mais oui, non, non, ce n'est pas grave. Par contre, j'ai déjà bu un gros truc. Je ne veux pas boire ça parce que je ne connais pas ce que ça va me faire. Ça va me faire peut-être endormir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais au contraire, il faut boire ça. C'est quelque chose qui nettoie. Tu vas voir que tu as un ancien choléra qui est calé dans ta peau quelque part. Hein? Tu vois, c'est calé quelque part là-bas. Cela n'arrive pas à sortir. Vous voyez pas ici là. Maintenant là, avec les coups de girofle, vous allez voir, c'est quelque chose qui vont. C'est un. Il y a des. C'est quelque chose qui va se régénérer, hein, dans votre peau, dans votre corps. C'est ça qu'il s'agit. Moi aussi, je suis ta copine, mais il n'y a pas de problème si tu es ma copine. Moi, tout le monde est ma copine. Mm-hmm. Bon, ouais, ça. Ça, je mets ça à côté là, parce que là, je marche avec ça, au cas où, voilà, je marche avec ça. Bref, tu as peur? C'est pas ça que je veux dire ça. Voilà. Bon, donc là, ça cuit encore, hein. Mais ce n'est pas le même contenu que ceci. Mais oui, il faut. Mais en tout cas, merci à la Waros qui nous a donné les recettes, la recette là. Vraiment. Oui. Même deux fois par semaine, même en une semaine,
Même tu bois peut-être, tu bois quand même un peu ça. Ça nettoie, hein. Ça nettoie le corps. Et même quand tu écrases, moi j'ai plutôt ça dans mon lait parce que j'ai écrasé ça. D'abord, il faut que j'écrase encore un peu là. Je vais l'écraser un peu. Pour mon... Moi j'écrase là. Moi j'écrase bien. Pour mon. Je n'ai pas mis de concasser ça dans mon. Dans mon broyeur là. En tout cas, moi je ne peux rien faire. Vous voyez comment on coupe mon direct, non? Parce que je montre des choses qu'il ne faut pas montrer. J'arrive, mais voilà. J'arrive même un peu la musique. Et maintenant, comme moi j'arrive, tu as vu les gens ici à Facebook. Mes taches sont apparues lors de ma deuxième grossesse. Nouveau lift actif protocole anti-tache, vendu en pharmacie et parapharmacie. Je mets quelques gouttes le matin au niveau des taches. Ah non, ne dis pas qu'il va pleuvoir. Eh ben dis donc. Plan de vie présent. Mais waouh, quand j'ai disparu là, je t'ai dit qu'un. Je suis allé verser ma part là-bas, vous connaissez. Et je vais dire, là, c'est efficace. Efficace, je vous dis. Oh là là. Je suis allé, c'est là. Ça, je vais mettre ça dans la bouteille, là. Hein. Ça, je vais boire ça aujourd'hui. Ça, je vais garder ça au frigo. Voilà, quand je vais sortir, je rechauffe, ça c'est un petit, je rechauffe. Mais il faut que je commence à comprendre les doses, hein, parce que pas que je paie les doses qui vont me faire que je tombe évanoui, parce qu'il faut faire attention. Hein. C'est pour les doses, hein, comme j'ai pu déjà un verre, tout à l'heure là, que je porte le verre après. Sinon, ça va détruire tout mon organisme, hein, parce que c'est fond. En fait, ça, les dérivés de thérapeutique un peu, on voit un peu. Je ne suis plus à TikTok. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe là? Lolo, tu peux chanter comme il chante là. Une fois par semaine. Non. Comme j'ai bu là, je veux revoir ça demain. Oui. Non, ça va attaquer le foie comment? Parce que ça doit arranger le foie. Non. Mon pas et mon cas est trop laid. Donc, là, j'ai bu aujourd'hui. Ça, c'est vrai, c'est conseillé que. Moi, je peux boire deux fois par semaine. Comme j'ai bu là, je veux boire ça encore demain. Je ne veux pas boire aujourd'hui. Parce que c'est très, quelque chose qui est très puissant. Qui travaille. Mais pour moi, c'est bio parce que ça sort du Cameroun. Au Cameroun, c'est bio. Moi, j'ai payé ça chez ma soeur là. Château Rouge là. C'est toujours. C'est bio, moi je paye par là.
Plan de vie, pose de votre cuisine. Avec Sokouk, tout est clair. Sokouk. Non, c'est bien ça. Je sens ça sur maman. Non. Attends un peu, attends. On appelle ça comment? Le jour, ce sont les gens qui m'ont amené dans un monde que je ne connais pas. Donc, dans mon repos, putain, j'ai rendez-vous tout à l'heure à 11h. Ouais, je suis sous. Ouais. Je vous laisse passer une bonne journée. Je dois aller acheter tout, je dois aller acheter tout, je dois faire les choses et tout. Peut-être que j'ai mal pu. Il est 9h41, que ce soit. Il fallait me dire qu'on boit ça la nuit, parce que la nuit c'est mieux. La journée, si je veux faire comment, si j'ai sous. Maman, elle est tous les fois. Hein. Maman, je vous laisse prier pour moi que ça ne me tue pas. Hein. C'est qui parle là? On n'a pas été tous les comme ça. Tout le monde boit ça, parce que aussi. Gigi. Tu vois, les gens parlent pas des choses, moi aussi, ma mère fait aussi. Maman, voici, c'est pour ici. Maman, je suis en train de m'anesthésier. Ça m'anesthésie tous les sens de la vie. Où mon père? Bon, je voulais en. Avant que je n'arrive plus à parler, excusez-moi. Là, je n'en peux plus. C'est trop fatigué, ça me fatigue.